Éternel des armées, je te confie chaque personne qui va se connecter à ce lavage. Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction sur leur vie. Bonjour à tout le monde. Père Yahweh, je te confie chaque famille qui est ici représentée. Je te confie chaque visage que je vais nettoyer. Je demande ta présence, je demande ta paix. Tu peux apporter le couteau pour ça. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je m'accorde avec les familles qui ont demandé ces lavages. Bonjour Bonis depuis le Congo. La Bible dit, si je ne vous lave pas, vous n'avez aucune part en moi. Ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Bonjour Laura Zéphérin. Il est important et impératif pour vous, de la même façon que vous vous lavez chaque jour, de la même façon que vous devez enlever la saleté sur votre corps quotidiennement, que vous puissiez comprendre qu'un lavage spirituel est nécessaire. Il y en a parmi vous, vous venez de tomber sur ma page et vous ne saviez même pas ce que c'est que le lavage avant. Vous ne saviez pas. Et on vous demande toujours de base, là, vraiment la base de tout. Cherchez du sel. Peu importe le pays où vous vous trouvez, chez les représentants, vous allez trouver le sel. Donc dans chaque pays, j'ai des personnes, si ce n'est sur un continent au moins, j'ai des personnes qui vendent les produits. Donc vous prenez le sel chez ces personnes-là. Il y a une dame qui a envoyé un message ce matin sur WhatsApp. Et elle me disait, elle a pris le donne-moi tout et le sel arc-en-ciel. Elle a fait son lavage avec. Certaines personnes peuvent juste ajouter des pipis. Et quand vous mettez les pipis dedans, vous priez le psaume 35, le psaume 91, le psaume 23. Pardon, papa, ça fait le bruit. Chasser toute mauvaise onde, je chasse tout mauvais esprit, tout esprit de distraction. Je commande maintenant à vos esprits d'être lucides. Voilà. Donc, elle dit donc qu'elle a utilisé ça, elle a fait le lavage et elle a rêvé la nuit passée, elle a vu comment les kafas sortaient de son corps. Et quand elle me raconte ça, elle me dit qu'il y a cela quelques mois, elle avait rêvé. Elle voyait les kafas marcher sur tout son corps. Et elle avait oublié le rêve après. Donc c'est quand elle a vu la vision où elle a vu le kafa, les kafas sortaient de son corps. Elle était assise sur le lit, les kafas sortaient de son corps, ils fuyaient. Quand tu es en train de faire ton lavage souvent, tu ne vas même pas savoir pourquoi tu te laves. Tu ne vas même pas savoir ce que tu es en train d'adresser spécifiquement. Parce qu'il y a des choses qui sont sur toi que tu ne connais même pas. Il y a ce que tu connais, il y a ce que tu ne connais même pas. Donc quand tu laves, ça part. Vous avez aussi parfois vos enfants. Ton enfant, il a fini l'école. Tu veux faire ça, qu'il obtienne la bourse pour partir étudier peut-être en Italie. C'est bloqué. Tu ne sais pas pourquoi. Certains de vos enfants, vous devez
l'air lavé à la maison, même ton enfant de 20 ans, prie sur l'eau, tu l'appelles, tu le fais asseoir, tu le laves. C'est l'enfant qui est sorti de ton ventre, non? Vous avez souvent peur de vos enfants, pourquoi? L'enfant, il est bloqué, il est assis à la maison avec toi chaque jour. Tu dépends de l'enfant le matin. Le soir, l'enfant reste vivant, c'est tout le temps. Je lave au sel ce matin. Et si je peux, je vais les identifier. Donc, j'ai pas mon téléphone. Et si. Il faut aller pousser, je vais faire. Et tu es à la maison avec l'enfant. C'est toi qui nourris l'enfant. C'est toi qui fais tout pour lui. L'enfant a déjà 30 ans. Hein. C'est que tu l'appelles ton enfant, mais si l'enfant a 30 ans, ça veut dire que s'il est en âge, il doit sortir pour aller faire lui-même ses propres choses. Qu'il est bloqué de partout, attaché, lourd, paresseux. Paresseux comme tout. Il dort. Tu fouettes, tu grondes, tu fais n'importe quoi. Il dort. Mais c'est cet enfant que j'ai accouché ici. Dans ce lavage, nous allons demander l'ouverture des portes. L'ouverture des portes de nos enfants. La restauration de leurs étoiles. La purification de leur cœur. Je viens purifier l'atmosphère. Je chasse tout mauvais esprit. Bonjour la Reine Marie. Bonjour, bonjour à vous tous. J'enlève tout mauvais œil. Toute personne qui vient pour voir, tout œil maléfique qui est envoyé pour voir ce que vous faites. Bonsoir à Benoît. Tout esprit qui vous contrôle. Tu restes souvent ça, tu dis que je vais faire mon lavage. Le réveil sonne, tu dors. Tu es dans le sommeil, tu as l'idée, hein. L'esprit te dit, lève-toi, tu fais comme ça, va te laver le pipi. Tu tournes. 8 heures sonné, tape, tu sors du lit. J'enlève toute l'odeur de votre esprit. Je commande la lucidité pendant ce lavage, au nom de Jésus-Christ. Même avant de venir me voir, le kit fondation, c'est 55 000 au Cameroun. Maintenant, si c'est en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie ce kit-là, c'est 70 000. Si c'est au Gabon, c'est 70 000. Donc, Éternel des armées, je demande que tu purifies chaque personne qui va écouter cette vidéo. Pendant qu'ils font leur propre lavage, ou ils sont en train d'écouter ceci, pendant qu'ils ont le seau devant eux, ils ont bien de mettre le sel dans l'eau pour se laver. Papa Yahweh, au son de ma voix, je commande à cette eau de se transformer en sang de Christ. Que cette eau devienne le sang du Christ et enlève toute iniquité sur leur corps. Que cette eau les purifie selon le psaume 51. Je viens déraciner toute malédiction de génération sur vous. Sur votre famille. Tout ce qu'on a mis, écoutez, le travail spirituel prend le temps. Peut-être ça fait 2 semaines que tu m'écoutes. Ah, j'ai fait 5 lavages, ça n'a pas changé. Oh, tu dois te laver chaque jour, matin et soir. Ce n'est pas la blague. Le kit déblocage plus, c'est le même prix.
C'est là dedans qu'il y a la poudre de désenvoûtement, il y a le miel de commandement, il y a tout le truc contre la sorcellerie là-dedans, le kit de déblocage plus plus. Seigneur, je déclare que comme ils vont prendre l'eau, si comme ils sont en train de prier sur cette eau, aucune arme forgée contre eux ne peut prospérer. Je déclare que ce lavage va restaurer leurs idées. Ce lavage va remettre leur vigueur. J'enlève toute mauvaise idée que l'ennemi a déposée dans leur esprit. L'esprit de pauvreté. L'esprit de manque. Que quand tu restes comme ça, tu regardes, tu te tournes à gauche, à droite. Tu vois que ta vie ne donne pas. Je déclare que tout animal maléfique qu'on a envoyé derrière vos enfants pour les nuire, ces animaux meurent maintenant au nom de Jésus. Pendant que vous allez laver vos enfants avec cette eau, je viens les purifier selon Ézéchiel chapitre 16. Je frotte ces enfants avec le sel avec lequel vous allez frotter vos enfants là. Pendant que vous les frottez, je les frotte aussi avec vous. Ma main est sur l'enfant là, je frotte aussi cet enfant avec vous. On les purifie de toute iniquité. Quelles que soient les iniquités qui leur ont été passées par vous, leur mère, ou encore par leur père, je viens enlever, je les débarrasse de toutes ces iniquités au nom de Jésus. Certains de vos enfants sont dans une paresse extrême. Tu ne peux pas toucher l'enfant physiquement. Peut-être même tu ne connais pas là où l'enfant est. Plonge la main dans cette eau-là, tu mets sur ton nombril. Je m'accorde avec toi et je déclare que l'Esprit de Dieu localise cet enfant. Quel que soit l'endroit sur la terre où il est, les enfants têtus qui sont partis là, appelez le nom trois fois. Appelez le nom. Appelez le nom. Appelez. Commandez à l'enfant là de revenir. Commandez à l'enfant, à l'esprit de l'enfant, je commande à ton esprit de revenir en toi. J'enlève tout esprit de tétutesse de ton corps, de ton esprit. Je te restaure par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je te commande de venir à la maison comme l'enfant pour dire j'ai revenu. Je restaure tes facultés mentales. Il y en a parmi vous, l'esprit me dit que votre enfant, le père est très riche. La tétutesse de l'enfant est entrée dans lui comme ça, ça fait son père la régner. Maintenant, l'esprit me dit de te dire d'appeler l'esprit de l'enfant là et de commander que son esprit revienne en lui, qu'il reprenne la faveur avec son père. Tous les autres enfants des autres femmes que l'homme là, il les envoie en Europe, ceci, cela, toi. Appelez les enfants là trois fois. Je commande à ton esprit de revenir comme l'enfant prodige. Je commande ta faveur de revenir. Je déclare que tu as la faveur avec ton père. Je déclare que tu as la faveur avec tous tes enseignants. Tu as la faveur dans ton école. Même si tu as été censé perdre l'année scolaire, je déclare que tu es rattrapé. Je déclare que pendant ces vacances, tu te remets à étudier au nom de Jésus. Certains de vos enfants, ils marchent avec certaines qualités de personnes, maniaque à bobé comme ça. Tu lui dis, mais c'est quoi ça? Tu parles fatigué, l'enfant va se cacher pour voir la personne. Remettez la main dans l'eau, vous mettez encore sur le nombril. Que je parle à toute progéniture qui est la mienne, toute personne qui m'appelle ma mère ou mon père. Je restaure tes idées, je te sors de toute mauvaise fréquentation. Si vous connaissez le nom de leurs amis, là, vous prononcez le nom de cet ami, vous dites que tu es tout esprit qui t'obsède et qui est venu pour posséder mon enfant. Je commande maintenant votre divorce au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie que je connais ou que je ne connais pas, je les sépare de mon enfant. Parmi vos enfants, l'esprit me dit qu'il y a un là. Tu as donné la même chose à chacun de tes enfants, mais lui là en particulier, ça part là. C'est comme s'il n'est même pas ton enfant. Tu as dépassé. Tu es dépassé. Yay. Appelez. Si c'est un ou deux enfants, appelez-le nom. Éternel des armées, je me mets ici comme ta servante. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. J'appelle cet enfant avec son père et sa mère, comme ils appellent cet enfant maintenant. Papa Yahweh, je déclare que cet enfant ne va pas se dérouter du droit chemin. Papa Yahweh, je déclare que je restaure l'étoile de cet enfant au nom puissant de Jésus. Père, comme les larmes de ses parents ont coulé sur leurs enfants, je déclare que ces larmes ne courront plus jamais, Seigneur. Je déclare que cet enfant sera un sujet de joie et non d'amertume. Je déclare que ce sera un enfant dont on va se réjouir. Tout parent qui a été affaibli et qui n'a pas travaillé sur son enfant, je viens ouvrir vos yeux, je commande que vos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je commande que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que vous n'êtes plus simple. Je déclare que vous n'êtes plus bête sur vos enfants.
Au nom de Jésus-Christ. Papa, tu es amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Je te demande ta grâce, Seigneur, ta miséricorde divine. Tout parent ici qui m'écoute, qui a abandonné son enfant, tout parent ici qui aurait dû faire des choses que son enfant n'a pas fait, Père, je demande que tes anges de restauration viennent restaurer cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que ces anges viennent restaurer même ce parent, que vous ne soyez plus faible, que votre foi que vous avez quand vous étiez jeune là, que ça revienne, votre vigueur, la vigueur qui faisait que tu ne pouvais pas laisser ton enfant dormir sans manger. Tu sautais, tu te battais. Maintenant, tu as mis à terre parce qu'on sait que ton enfant est à un moment crucial de sa vie. On sait que si l'enfant n'a pas en Europe, c'est toi qui seras bien. Voilà comment on vient t'attaquer. Prenez la main, vous mettez encore dans l'eau, vous mettez sur vos yeux. La guérison, là, c'est chaque jour. Hein. Au nom de Jésus, j'enlève tout voile mental sur vous, parents, papa et maman. Toute fatigue. Un dieu des esprits dans certains de vos enfants que ça vous fatigue. Tu es fatigué. Quand on te dit que tu concernes un enfant, tu ne veux même plus. Tu ne veux même plus. Tu ne veux plus. Voilà les vacances, tu vas déjà décider où tu vas envoyer l'enfant là. Tu es fatigué de lui. Je déclare que vous n'allez pas faiblir sur vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas faiblir sur vos enfants au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Ange Gabriel, ange Michael, fortifiez les parents là, fortifiez-les. Je sens la puissance du Saint-Esprit qui vous recouvre maintenant. Je vous fortifie au nom de Jésus. Je vous fortifie. L'argent dont vous avez besoin pour payer les papiers de l'enfant là, vous trouvez l'argent là cette semaine au nom de Jésus. Il y a une dernière réunion là. Vous n'avez pas encore demandé là-bas. Je déclare que même ce samedi, c'est là qu'ils vont vous donner l'argent là-bas à la réunion pour faire les papiers de l'enfant. Je déclare que vous ne serez plus jamais découragé par rapport à vos enfants. Je déclare que la bonne idée, le bon plan pour l'enfant, là, ça arrive, ça vient à ta tête à l'instant. Le Seigneur va te montrer dans la nuit. Tu ne vas pas jeter l'enfant là. Tu ne vas pas l'abandonner au nom de Jésus. Il y en a parmi vous, c'est la carrière, le choix de carrière des enfants. Vous êtes déjà dépassé. Le Seigneur va vous montrer. Ange Gabriel, toi qui es le messager, parle à ses parents, parle-leur. Montre-leur les universités où ils vont mettre les enfants là, ceux qui ont tous encore de composer le bac cette année. Montre-leur l'université où l'enfant là va partir. Et montre aussi l'argent, montre-leur le poisson qui contient la pièce en or qui va financer l'école de cet enfant là au nom de Jésus. Vos enfants ne vont pas rester au quartier au nom de Jésus. Vos enfants ne vont pas finir au quartier au nom de Jésus. Vos enfants ne finiront pas au quartier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout parent qui m'écoute et qui s'accorde avec moi, quelles que soient les malédictions familiales qui viennent de leur famille à eux ou de la famille de l'autre parent de cet enfant, qui sont en train de toucher l'enfant, quels que soient les hôtels qui parlent et qui freinent la vie de Kuat et Talon Daniel Jiren, je déclare que sa vie est restaurée. Je déclare que vos enfants sont restaurés. Je déclare qu'ils trouvent le canal, que ce soit la bourse, que ce soit même un oncle qui vient conseiller, je prends ton enfant, c'est en charge. Et pour certains, vous avez payé la pension, vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous allez faire pour l'année-ci. Éternel, je demande que tu montres un chemin. Montre-la le chemin. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Montre à ce parent comment il va faire pour financer la pension de cet enfant ou financer son logement chaque mois. Vous n'aurez plus honte à cause de vos enfants. Vos enfants seront maintenant un sujet de fierté dans votre vie au nom de Jésus. Vos enfants seront un sujet de fierté dans votre vie. Répétez, prononcez le nom de l'enfant là. Tu dis que tu seras pour moi un sujet de fierté. Allez-y. Tu seras pour moi un sujet de fierté au nom de Jésus-Christ.
pour moi un sujet de fierté au nom de Jésus. Sophie Anne, tu seras un sujet de fierté pour ta mère et ton père. C'est de quand on viendra d'ailleurs pour voir les merveilles que Dieu est en train de faire dans votre enfant, dans sa vie. Vos paroles ne seront jamais pour détruire votre enfant ou vos enfants. Je m'accorde avec vous et j'annule toute mauvaise parole que vous avez dit que l'ennemi a pris pour aller maltraiter votre enfant. Je restaure les rêves que vous aviez pour vos enfants. Je restaure la vision. Vous avez refusé des prophéties pour l'enfant quand l'enfant avait 7 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 27 ans. Tu es perdu. Je remets ces prophéties dans ton esprit au nom de Jésus. Tu as tes talents, Daniel, j'irai. Tu seras pour ton père, Zéphirin, tu as tes, un sujet de joie. Et je viens percer toute boule de cristal maléfique que l'ennemi a envoyée pour voilà prendre les gens dans ce direct. Je viens percer vos yeux au nom puissant de Jésus. Je viens éteindre vos flammes que vous avez allumées par la puissance du Saint-Esprit. Je mets sur vous le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tous les sceptiques qui sont dans ce direct, vous avez bloqué les gens et vous êtes en train de les regarder aussi là. Je viens maintenant, je mets la confusion dans votre tête. Je dépose l'esprit de dépression sur vous. La folie vous atteint à l'improviste. Manto Laetitia, princesse, tu seras pour ta mère Sandrine un sujet de joie. Carla, Steve, Brian, vous serez pour Lumière du Monde un sujet de joie et de réussite. Lango Brian sera pour Étoile Filante un sujet de joie et de fierté au nom de Jésus. Certains de vos enfants vont devenir des célébrités au nom puissant de Jésus. Ils vont vous faire des virements de 100 000 euros chaque mois. Je restaure vos idées. Je restaure les rêves que vous aviez avec vos enfants quand ils étaient plus jeunes. Toute personne qui est venue prendre la vigueur, l'innocence, la pureté de votre enfant. Je commande qu'il soit restauré maintenant au nom de Jésus. Je détruis tous les hôtels sataniques qu'on a érigés contre la vie de vos enfants. Toute personne qui a dit que vos enfants ne vont pas respirer. Je viens détruire ces hôtels maintenant au nom de Jésus. Ton enfant et toi, Camille, vous êtes bénis. Amen. Michel et Zoé, vous êtes restaurés au nom de Jésus. Parlez comme ça, là. Vous remettez ça tout à l'heure, le direct. Vous remettez ça, vous parlez sur l'eau, là. Après, vous partez laver les enfants, là. Vous les lavez. Si c'est à distance, en vous lavant, vous dites que je me lave comme ça. Je viens me laver aussi mes enfants. Tu prononces le nom. Que tous les visas qui sont bloqués à l'ambassade, là, on ouvre vos papiers, vous venez au nom de Jésus. Tout blocage sur mes enfants, je viens enlever au nom de Jésus. Yannis et Maël, vous êtes pour laver ça, un sujet de joie. Je déclare que la dernière mauvaise nouvelle que vous avez entendue par rapport à vos enfants, c'est la dernière de toute leur vie. Daniel, Christian, Audrey, Joël sont des célébrités. Certains de vos enfants seront des célébrités, je vous le dis. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore enfanté. Je déclare par ce lavage que vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Toutes ces pentes, tout ver de terre qu'on a mis, les vers des femmes qu'on a mis dans vos ventres pour bloquer votre enfantement. Je détruis maintenant, je désintègre par ce lavage. Tout esprit mauvais qui s'était accroché sur votre utérus. Il y a une amie qui a accouché l'autre jour. Premier accouchement, on opère pour étirer l'enfant, on voit le myome dans le ventre, un myome costaud comme ça. Le médecin dit que non, tu n'as pas payé pour qu'on retire le myome. Il prend le myome, il le met en place. Il prend l'utérus, il dépose en haut du myome. Elle a conçu l'endroit accoucher le deuxième enfant. Quand la deuxième femme est venue opérer, elle dit que vraiment, mamie, c'était l'enfant miracle. L'ennemi avait embrouillé les docteurs la dernière fois, ils ont seulement gâté. Tout myome qu'il y a dans votre corps, toute masse qui est en train
train de grandir, même si vous ne connaissez même pas encore l'existence. Je déclare que ça sort. Vous allez avoir vos règles à l'imprévisite au nom puissant de Jésus. Je commande que ces lions se désintègrent par la puissance du Saint-Esprit. Carl Emmanuel, je déclare que tu es une célébrité au nom de Jésus. Joseph et Ange, vous êtes une fierté pour votre mère. Vous êtes une célébrité au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi est venu pour fermer, qu'on avait ouvert pour vos enfants. Quand l'enfant a tel âge, quelqu'un vient, il dit, waouh, tu sais, voilà. Non, 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 je viens chasser tout mauvais esprit qu'on a envoyé sur vous pour bloquer vos finances, pour bloquer les opportunités de ton enfant. À un moment, on avait invité l'enfant pour qu'il vienne à la télé, il devait faire une émission, voilà. Après, ça s'était tout seul. Jiki Jemima, Jiki Frank, tous les enfants de Larissa, Kwam Chekam, Patrice, Ralph, je déclare que vous êtes des étoiles. J'active vos célébrités. J'active votre argent. Il y en a parmi vos enfants, très jeunes enfants déjà, ils connaissaient le sens du business. Prince Grâce David, je déclare, vous êtes des célébrités. Je restaure les dons de business de vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que c'est un de vos enfants. Prononcez le nom, prononcez le nom, prononcez le nom. Avant l'âge de 15 ans, ils seront déjà millionnaires en euros au nom de Jésus. Vos enfants vont inventer des programmes. Des programmes qui vont les amener devant les grandes personnalités de ce monde entier. Vous allez marcher sur le tapis rouge à cause de vos enfants, à Cannes. Vous allez partir aux États-Unis pour les BET Awards à cause de vos enfants au nom de Jésus. Kéren, Maël, Marine, Jade, vous êtes des étoiles. Benoît, on te bénit. On te bénit. On te bénit, je te bénis. J'envoie mes anges qui te bénissent. Je vous couvre par le sang de Jésus. Larissa Carole, je viens te bénir. Je bénis tes enfants. Macondo Marie Blanche, je bénis tes enfants. Lumière du monde, je bénis tes enfants. Éline Karine, je bénis tes enfants. Christelle Tchak, je bénis tes enfants. Sophie. A et O, ce sont des étoiles au nom puissant de Jésus. Joseph Franck, je bénis, je te bénis. Anaïs, Néhémie, Esther, je bénis vos enfants. Je viens baisser tout œil maléfique qu'on a mis pour checker vos enfants. Vous allez aussi prendre le sel, vous allez verser dans la chambre de vos enfants, vous allez aussi mettre l'eau au centre de leur pièce. Le Saint-Esprit vous montre aussi, vous devez prendre l'huile bénie. Il y a ça à marquer par les doigts. Quand vous commandez, demandez l'huile bénie. Vous mettez ça en signe de croix sur la fenêtre des enfants. Et en haut de leur lit, vous faites le signe de croix sur leur lit. Vous prenez comme ça le doigt. Généralement, ça, ou bien trois doigts. Trois doigts ou bien un. Vous mettez trois fois le signe de croix sur la fenêtre des enfants et sur le lit. Il y a certains de vos enfants que vous devez acheter le kit célébrité pour eux. Il y a certains de vos enfants que vous devez prendre le kit attirance pour eux. Tu as ta fille, elle est très jolie. On apprécie toujours la beauté de ta fille. Voilà le potentiel mannequin. Prenez le point, le kit célébrité, je suis en train d'investir sur mon enfant. Tu fais le lavage, je ne peux pas vous montrer le nombre d'enfants que je dois laver aujourd'hui. Quand tu fais ton travail, tu fais pour toi, tu fais pour tes enfants. Ça donne les opportunités à des enfants tôt. On t'a débloqué à 5 ans. Tu débloques ton enfant à 5 ans, tu vois l'avantage que l'enfant a déjà. Voilà. Je sais cette prière et tout ce qui a été reçu comme don, cadeau, tous les dons de vos enfants qui ont été restaurés, nous les scellons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 7 jours, cherchez un endroit, vous devez avoir votre hôtel à la maison, vous devez allumer la bougie là-bas en dormant. Soit dans la maison de la chambre des enfants, vous déposez à la en haut. Parce que l'enfant, si vous déposez en bas, il peut prendre. Si ce n'est pas un petit bébé, hein, parce que les enfants de 5 ans, 7 ans, il peut toucher la bougie la nuit. Donc tu déposes en hauteur, tu laisses la bougie allumée pendant 7 jours. Nadine Marie, fais le lavage à distance. Tes papiers sont bloqués, tu le fais rien. Ouais. «
Le kit célébrité, c'est 55 000 aussi. Et quand vous prenez ça, vous montrez à vos enfants. Vous montrez aux enfants comment on utilise, pourquoi tu es en train de monter, de faire ça avec l'enfant. Que je sais que tu seras célèbre. Certains parmi vous vous ont montré en rêve. Certains vous a, quand l'enfant avait 2 ans, on t'a parlé, on a dit que l'enfant c'est très belle. Que ta fille c'est très belle, elle a 4 yeux. Ta fille c'est sera célèbre, elle sera ceci. Ce sont les paroles que tu dois prendre, tu gardes dans ton cœur. Chaque fois tu proclames ça sur l'enfant, tu proclames ça sur l'enfant. Tu déclares que son père ne sera pas un blocage pour elle. Que toi-même, sa mère, tu ne seras pas un blocage pour elle. Je viens bénir tous les noms que vous mettez ici. Mougoune la street. Je viens te libérer. Je libère vos enfants de tout trou dans lequel on les a plantés. Au nom de Jésus. Je déclare que tout miroir qu'ils ont mis pour prendre, pour checker, les gens qui sont sur mon direct, je viens percer ces miroirs magnifiques au nom de Jésus. Je perce les yeux de vos boules de cristal là. Je casse ces boules de cristal au nom puissant de Jésus. Voilà. Nous venons sceller ce lavage par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez pour demander vos vidéos de lavage. Je vous en prie, si vous ne demandez pas. Parce que parfois, ils filment comme ça là. C'est beaucoup. J'ai le temps d'envoyer. C'est quand tu écris que je parle dans les vidéos, je regarde ta page et t'envoie. Voilà. Donc, le lavage, c'est 33 800. La consultation, c'est 33 800. Non, mettez la bougie blanche. Bougie blanche. Soit blanche, soit verte. Si vous trouvez aussi le jaune, prospérité. Blanc, vert, jaune. Sauf c'est les trois là seulement. C'est ça qu'elle avait dit comme ça. Très peu de parents vont faire ce que j'ai dit. Si c'était B qui te disait, bébé, viens, garde-moi la sauce gombo. Tu allais te rappeler la sauce gombo. Que viens me faire telle chose, tu allais venir. Mais quand c'est ton enfant, tu oublies. En euros, ça doit être avec les frais d'envoi. Si tu es en France, ça va te revenir dans les 140 euros. 140, 150. Non, si tu prends directement au Cameroun, je crois que avec l'envoi, ça va te revenir peut-être 135 euros. Un truc comme ça. Parce que le kit, même 55, quand tu convertis, ça fait. Je ne connais pas. 55 euros, c'est combien de francs, CFA? 55 000, pardon. Yen, mais tu riais. 55 000 en euros. Peut-être 85 euros, peut-être. Quand c'est 85 euros, tu ajoutes maintenant 40 euros de trucs. Donc, ça peut te revenir à 135 euros, oui. Le DHL, c'est dans les 30 000. 30 000, c'est presque 48 euros. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent envoyer les dîmes, il y a le PayPal sur le directi. Et puis, il y a aussi Orange Money, il y a MTN Money. Parce que je vois une personne qui a dit qu'elle n'arrive pas à envoyer. Que c'est bloqué depuis là. Vous pouvez aussi faire le Western Union pour payer vos dîmes. Bon. Par Western Union, vous écrivez, on va vous donner le nom de la personne qui va recevoir. Ce n'est pas moi qui vais recevoir, donc il va aller chercher ça. Je viens bénir vos dîmes, je bénis vos offrandes. Je viens bénir, je libère votre argent. Et des cas aussi que vos papiers que vous attendez, ce mois de juin, ces papiers sont libérés au nom de Jésus. Père Saint, je déclare que tu écoutes la prière de tes enfants. Toute personne qui avait adressé une prière au Seigneur depuis, tu espères qu'on te donne tes papiers. Je déclare que tu reçois tes papiers dans ce mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, bye bye. La reine Colette, bonjour. Colette Wafo. Il déclare que vous devenez le coach et le motivateur de vos enfants. Certains d'entre vous, c'est dans votre vieillesse que vous avez commencé à toucher 3000 euros. Motivez vos enfants. Que dans tes 23 ans, tu travailles, on peut te toucher, tu peux déjà toucher 3000 euros. Tu peux recevoir 3000 euros. Au nom de Jésus, je viens bénir vos enfants. Je libère vos enfants de l'emprise de l'ennemi. Je leur permets d'avancer. Je déclare que vous encouragez vos enfants
Votre vision s'élargit pour vos enfants. J'enlève toute limitation de vision que vous avez eue sur vos enfants qui les a bloqués jusqu'à présent. Vous savez que vous pouvez bloquer aussi vos enfants, non? Voilà. Je viens enlever tout mauvais esprit de ce direct. Tout de cette icône qui est là pour voir. Tu es là pour épier les gens. Recevez vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes forte. Même si c'est la 15e fois que vous essayez, je déclare que ce mois-ci, c'est le bon mois au nom de Jésus. Le WhatsApp, c'est le 00237-693. Donc 00237. Prenez de quoi noter. Prenez. 693-50-22-66. 693-50-22-66. 693-50-22-66. Je viens vous bénir, je bénis votre travail spirituel. Je déclare aussi que vous avez la patience et la persévérance. Je déclare que toute bataille dans laquelle vous avez été, je vois beaucoup d'entre vous, vous avez été opprimés. Vous avez vraiment, je sens comment tu étais appuyé sur ta poitrine. Si bien que tu n'arrivais même plus à prier. Tu fuyais même ma page. Ou certains, le Seigneur me montre que vous fuyez carrément ma page. C'était l'oppression de l'ennemi. Vous étiez en combat. Amen, amen, le roi Zéphir. Je vous sors de toute prison mentale et spirituelle au nom de Jésus. Ce que tu ne te décidais pas à faire ton visa depuis pour voyager. Je déclare que ce mois de juillet, tu lances ta procédure et on te donne ton visa et tu voyages. Tout ça en même temps. Je déclare que tes succursales s'élargissent au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants suivent tes pas. Et tu travailles, même certains d'entre vous, vous allez travailler avec vos enfants. Ils ont fini l'école, ils viennent rejoindre l'entreprise familiale et ils élargissent l'entreprise. Je déclare que vous préparez votre enfant pour qu'il soit votre successeur au nom de Jésus. Je chasse les jalousies. Tout ce qu'on avait fait pour déranger le mental de l'enfant, que l'enfant était toujours malade avec toutes les migraines. Je viens chasser ces migraines au nom puissant de Jésus. Je restaure votre amour avec votre enfant. Il y en a parmi vous, vous étiez très amoureux de votre enfant. L'ennemi est venu avoir un faux problème comme ça, là, pas que vous êtes séparés. Je viens restaurer, je vous restaure, je restaure votre vision. Tu as commencé une procédure depuis 4 mois, 5 mois. Et là, ça, tu avais l'impression que ça ne donnait même plus, tu avais abandonné depuis déjà 3 semaines. Le Seigneur, il te remet la force. Il te remet la force dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Je viens remettre tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Je remets tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Je remets tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est venue attaquer tes plans, tu as partagé tes projets avec quelqu'un. La personne est venue verser l'eau sur ton feu. Je dis que tu identifies cette personne. Cet esprit, montre-lui qui c'est, montre-lui qui c'est, montre-lui qui c'est. J'annule les effets de cette personne au nom de Jésus. J'annule les actions de cette personne au nom de Jésus. J'appelle les collaborateurs dont vous avez besoin pour lancer cette activité au nom de Jésus. J'appelle les clients au nom puissant de Jésus. Ils vous localisent. Ils vous localisent et déclarent que vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous vous relevez. Vous vous relevez. Vous repartez. Vous ouvrez encore. Vous ouvrez encore. Lundi, vous partez ouvrir au nom de Jésus. Vous publiez à nouveau. Il y a des gens qui ont voulu collaborer avec vous. Ils pensent bien. Hein? Après, c'est distraction, oubli. Je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Tout bien que quelqu'un a voulu te faire pour propulser ton business en avant. Il voulait te ouvrir son carnet d'adresse, te mettre devant tous ses contacts. Après, l'ennemi est venu. Je viens annuler ce que l'ennemi a dérobé. Tout plan que l'ennemi a fait sur toi pour te faire tomber, je viens restaurer ton étoile. Je restaure l'opportunité qui t'était présentée à cela quelques semaines. Même si tu avais été bloqué, le jour où tu étais malade, tu ne pouvais pas partir. Le jour où tu avais un autre tout. Après, tu as eu peur. Tu as dit, ah, je croyais que j'étais qui?
pour croire que ça peut. Je vous remets l'idée là dans l'esprit, fraîchement, fraîchement. Saint-Esprit, inspire tes enfants, inspire-les, 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 Seigneur, inspire-les, Seigneur. Je remets votre vigueur, je vous pompe maintenant. Je vous remets ça, je vous remets cette idée en place au nom de Jésus. Vous ne savez pas que la bataille si est réelle. Ce n'est pas la blague. Elle voyage trop. Elle voyage trop. Douala Yaoundé, Bafoussam, nanana. Tchouk, 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 tchouk. Assois-toi. Hein, tu gonfles sur ton pied comme ça, tu t'assois. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je te commande de te lever. Lève-toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Isaïe 60, verset 1. Prononcez votre nom. Moi, Jocelyne, je me lève. Allez-y. Je déclare que ma lumière est arrivée. Allez-y, prononcez. Je déclare que même si les ténèbres couvrent la terre, déclarez. Sur moi, la lumière de l'éternel se lève. Je soulève ma tête. Répétez. Je me lève et j'avance dans mon business. Je me lève et j'avance avec le projet de mariage que j'avais. Je me lève et j'avance. J'ouvre le magasin là ce mois. Allez, allez-y. Appelez-moi les clients là maintenant. Dès que vous finissez le direct ici. Oh. Oh my God. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Le Seigneur ne t'a pas menti quand il t'a envoyé là-bas. Il y a cela quelque temps, tu as une vision. Le Seigneur, c'est lui qui t'a guidé. C'est lui qui t'avait guidé. Reprends le business des jus, refais les jus. Fais les beignets là, fais les gâteaux. Tu seras choqué. Et un ange qui m'a fait voir sa présence. Mettez les deux mains comme ça. Larissa, tu vas restaurer ton, tu vas inaugurer ton institut au nom de Jésus. Mettez les mains comme ça. Soufflez sur vos mains, soufflez. Je reçois que ma main soit un endroit où l'argent entre et ça sort en permanence chaque heure. Chaque heure que mes business sont en train de faire entrer et sortir de l'argent. Que j'ai toujours pour m'occuper de moi, des personnes dont qui dépendent de moi, pour faire progresser mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me restaure du syndrome de main percée. Dès que je reçois l'argent pour ouvrir mon local.
Au nom de Jésus. You call for light in the darkness. You don't need a man to be the God you are. That's why we call you. We call you Jesus. You are God. You are God. From beginning to the end, there's no to your name. You are God all by yourself. You are God, you are God, from beginning to the end. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Tu détiens le temps dans ta main, Seigneur. Tu détiens les saisons dans ta main. Seigneur, toute personne, toute famille qui s'est accordée avec moi dans cette prière, je viens les libérer. Je viens leur donner le focus. Je déclare qu'ils ne seront détournés ni à gauche ni à droite. Je déclare que leur argent augmente. Je déclare que leur chiffre d'affaires est multiplié par 10 dans ce mois de juillet, Seigneur. Je déclare qu'ils n'ont pas peur de se lancer, Seigneur. Je déclare qu'ils n'ont pas peur d'investir. J'appelle à vous la récolte de tout ce que vous avez semé depuis déjà 20 ans. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez fidèles dans votre dîme, je vous le dis. Soyez très fidèles. La dîme, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Et c'est que quand elle parle, il y en a où moi je suis traditionnaliste. Ne blaguez pas avec votre dîme. Ne blaguez pas. Apprenez à être stable. Janvier, tu payes la dîme. Février, mars, avril, tu es au village, tu reviens en mai. Après, tu restes juin, après juillet, tu commences à dire, tu perds la moitié, c'est là, tu perds la moitié. Soyez stable. Je dépose la stabilité en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et amen. N'ayez pas peur. Le Seigneur est en train de vous étendre. Il tire. Il vous tire. Pour les choses que tu n'avais pas fait avant. Le Seigneur est en train de tirer ton territoire. Il t'étend. Je vois le Seigneur vous donne les idées. Les idées pour faire les petits business à côté. Tu fais ça, tu fabriques ça, tu peux déposer là-bas, quelqu'un vend. Tu fabriques ça, tu peux déposer là-bas, quelqu'un vend. Tu ouvres tel truc, quelqu'un gère. Soyez bénis. La dîme, c'est 10% de ton argent. Il n'y a pas montant. Il y a des gens qui donnent 500 francs de dîme. Il y a des gens qui donnent 1 million de dîmes parce qu'ils ont 10 millions. Et la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Il y en a parmi vous, vous m'écoutez seulement de temps en temps. Vous ne faites pas ce que je dis. Je ne suis personne pour vous. Mais il y en a que vous me prenez, donc je suis dans votre cœur. Le genre qui rentre dans le rêve, c'est moi qui viens pour te sortir du trou là où tu es. Dans ce cas, paye ta dîme chez moi. Mais tu ne sens pas. Parce que quand tu payes ta dîme, surtout chez moi, je vous enseigne. Tu dois prier sur ça. Que Seigneur, comme je mets ça dans une terre qui est fertile. Je reçois ça, l'ouverture de mes portes. Je reçois ma délivrance. Donc la dîme, ce n'est pas pour faire le show et montrer que regarde ce que j'ai payé. Regarde, comme j'ai payé 500 000 euros, moi, cela, je serai ta favorite. Non, c'est entre toi et Dieu. Parfois, tu restes comme ça, tu es menacé. Tu vas voir que depuis 4 jours, tu ne payes pas la dîme. C'est pour ça que tu es menacé. Tes paiements sont bloqués dans les airs. Quelqu'un te fait le transfert, il se trompe de numéro. Quelqu'un fait tic-tic, mais c'est même quoi ça? Ça fait 4 jours que tu n'as pas payé la dîme. Ça fait 4 jours que tu n'as pas payé ta dîme.
Parce qu'il y en a parmi vous gagner de l'argent chaque jour. L'autre est très dangereux. Parce que tu oublies, tu vas confirmer. Bonjour la reine Marie-Blanche. Je bénis les dîmes qui ont été payées ce mois. Je bénis les familles qui à leur tour sont bénies à travers les dîmes qu'elles payent. Un jour, je reste comme ça. Ça devait faire peut-être 3, 4 jours, même 5 jours, je n'ai pas payé ma dîme. Je reste comme ça, je suis mal. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai questionné le Seigneur toute la nuit, il fait 5h15. J'entends une parole. Paye ta dîme chaque jour. Je dis, hein? Paye ta dîme chaque jour. Et j'ai payé vers 5h30. 8h, maman, toutes les situations étaient à bloquer, débloquer, pardon. Débloquer, débloquer, débloquer. Je dis, ah! Maman mia. L'affaire là, c'est pas la blague, c'est trop spirituel. Trop. Trop spirituel. Et parfois on oublie. Je ne veux pas vous mentir. Parfois tu oublies. Tu dis, je vais faire. Ah, oh Seigneur, trop loin. Ah, je vais le faire. Comme c'est sur toi là. Tu vas avoir un problème qui va se passer comme pian pian. Tu dis que yay. Je voulais. Gars. Tu prends un peu la dîme d'abord. Tu prends un peu la dîme. Non, on utilise un peu. On va remettre le reste. Un peu. Touche, tu vas comment? Tu vas confirmer le code des problèmes. Tu vas confirmer sur le calendrier. Seigneur, merci pour tes filles et tes fils que tu as amenés à moi. Et je veux vous féliciter. Il y a tellement, j'ai parlé avec une hier. Elle me dit qu'elle était simple, ton foie au cube. Mais elle dit qu'elle a changé. Waouh. Elle dit qu'elle a changé. Elle est devenue paisible, posée. Elle est devenue plomb. Elle reste comme ça. Elle fait un combat spirituel parce qu'elle-même peut se lever à l'esprit. Que voilà, il y avait ça qui m'a attaqué, ça comme ça là. Et c'est avec chaque mois, je fais mon lavage. Chaque mois, je prends un kit, je fais. Et à chaque kit qu'elle fait, elle me voit dans le rêve. Parfois, l'ennemi peut t'attaquer, tu oublies un peu qui tu es. Tu oublies les pouvoirs que tu as. Et n'oublie pas, le Seigneur va toujours te rattraper, il va te ramener. Te ramener encore parce que tu n'étais pas appelé seul, tu n'es pas responsable. Tu as dit que je vais m'appeler. Non, il t'a appelé. Tu as répondu, c'est différent. Voilà, je n'avais pas prévu de parler autant, mais je dis seulement ce qu'il me dit. Tant que je vois pas que c'est fini, je continue. Ça m'a dit bon, il faut que je fasse le lavage maintenant, sinon vous n'allez pas me laisser. Merci Seigneur pour la pureté que tu mets. Merci pour la confirmation que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les idées que tu donnes. Merci pour le chemin que tu ouvres. Il crée un chemin. Waymaker, miracle worker. Promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, right in this place. I worship you. I worship you. Merci Seigneur. Merci.
pour la restauration que tu donnes à toutes ces familles. Merci parce que tu remets leurs idées en place. Merci Seigneur parce que tu as retracé l'avenir de leurs enfants. Père très saint, nous te donnons l'action de grâce. Vous avez fait le lavage, faites le salaka. Partagez quelque chose pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait en avance. N'attendez pas que c'est quand je vais voir, c'est quand on va donner le visa. Hein? Non. Tu remercies, tu en avance. Il y en a parmi vous qu'on n'a jamais fait un salaka sur votre tête. Par contre, il y en a parmi vous, vous avez fait même 50 salaka sur la tête de vos enfants. Ton enfant n'a pas pavé les mêmes armes dans la vie que toi. Déjà que l'enfant est bloqué quelque part comme ça là, un ange apparaît, pam, prends la voiture, tu pars à tel endroit, pam, viens, te porte et t'amène là-bas, pam, viens, tu as besoin de 500 francs, tu as besoin de ça, tu es bloqué à cause de 500 francs, tu comptes ton argent, tu passes. Les salakas que la mère a fait sur l'enfant pendant au moins 20 ans. Ne blaguez pas avec ça. J'ai une amie qui a accouché, ça fait quelques jours. Je la contacte parce qu'elle a fait la césarienne, du coup ça fait quand même beaucoup d'argent. Le lavage, ça se fait au sel chaque jour, sur vous et sur vos enfants. Mais d'ailleurs, il y a les lavages spéciaux comme ceux que je vais faire maintenant. Ça, c'est pour ceux qui veulent que ce soit moi qui fasse le lavage à distance pour eux et leurs enfants. Donc, la dame a accouché par césarienne. Je lui dis donc, déjà que tu as souffert pour l'enfant, c'est le 8e jour, c'est le jour où dans la Bible, on partait présenter l'enfant au temple. Donc, ce jour-là, il faut que tu partages ce qui est blanc aux gens. Quand vous allez accoucher, n'oubliez pas. Partage ce qui est blanc aux gens. Le riz, c'est pour l'abondance. Le sucre, c'est pour qu'il y ait la prospérité dans la vie de l'enfant. Le sel même, c'est pour que la vie de l'enfant là soit le sel de la terre. Il y a quoi, deux, trois petits trucs blancs, blancs, cherche ce qui est blanc. Il dit que tu n'as pas besoin que ce soit pour 500 000. Je la contacte après. Est-ce que vous avez fait? Elle dit non, on n'a pas fait parce qu'on se disait que ça devait être un truc cher. Tu peux aller à la boutique, tu prends un kilo de riz. 600, 500, 1 kilo de sucre. Tu cherches les enfants au quartier, là, tu donnes un peu, 2-3 morceaux de sucre. Le riz, là, même, bon, supposons que tu as acheté 5 kilos de riz, quand même. Au Cameroun, il y a quand même de riz. Tu divises en demi kilo, tu donnes aux gens, pâté, voilà, je donne ça au nom de l'enfant. Voilà comment tu ouvres la destinée de ton enfant. Biscuits, bonbons. Ne blaguez pas sur le sac. Quand quelqu'un prend, il dit merci. Parents qui mangent, comme c'est bon dans son ventre-là, et que c'est en ton nom, c'est comme si ça revenait à verser les fleurs sur la tête de ton enfant. Ça vient verser, ça vient verser, ça vient verser. N'oubliez pas. Et pas récemment mes choses comme ça, là. Ok, bon. Il a dit au revoir même 5 fois. Souvent, vous savez qu'au lieu de partir, j'ai fait seulement plus que je suis parti. Mais dans le tout, si elle vous dit bye bye. Bye. Dis-moi aussi bye alors. Bye. Écrivez bye. Moi, c'est des anges souvent. You are here. Moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. C'est bien ça. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey. We make a miracle work, promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. On va donner le visa à l'enfant là. Everything is gonna be alright. Oh, ah.
Il faut que je fasse un mix de paroles, de chansons comme ça. Là. Tout va bien se passer. On va donner le visa à l'enfant là. Amen. Vous allez ouvrir le business là. Amen. On va vous donner vous-même le visa. Amen. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. On va doter ta fille, tu vas voir. Everything is gonna be alright. On va épouser ta fille, tu verras. Everything is gonna be alright. Tu vas accoucher l'année prochaine. Everything is gonna be alright. Oh, ah, hey, je suis chanteuse. Pardon, laissez ma voix comme ça. Quand tu connais que tu as bien prié, c'est que la joie envahit ton cœur. La joie t'envahit à la fin, tu connais que donc it is done. Tu peux maintenant en partageant le bonbon aux enfants comme ça, tu dis que yes, it is done, oh, it is done. It is done. Yes. La reine de gâte, voilà ça devant moi. Le gâte est trop sucré. Vous m'avez dit bye. Amen, amen, le roi Benoît. Amen. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. La banque va te donner ton crédit. Tu vas construire ta maison. Hey. Ton titre foncier va bientôt sortir. Everything is gonna be alright. Yeah. Oh, oh, ooh. Mm. Oh my God. C'est moi, je n'ai pas lavé les gens. Ceux qui ont le lavage qui attendent ici, vraiment, je m'excuse. Vous avez suivi, vous avez seulement pardonné. Ok. Seigneur, lançons ce lavage. Bye bye. Mes belles amis, je te dis merci. Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Oh papa, je te confie cet enfant. Sa maman a tenu à ce qu'elle soit lavée, Seigneur. Papa, je demande que tu ouvres son chemin, Seigneur. J'enlève les limitations géographiques sur cet enfant. Je déclare qu'elle ne sera plus séparée de sa mère. Je déclare qu'elle peut profiter des privilèges que sa mère, dont sa mère profite en France, au nom puissant de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth.